démoniaque. Parce que les gens vous trompent en vous disant que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un bandit. Le Saint-Esprit n'est pas violent. Le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Et on ne peut pas faire le contraire. Donc, visionnons ensemble cette vidéo. Une adoration carnavalesque inspirée par Satan. Donc, visionnons ensemble au nom de Jésus-Christ. Nous allons visionner ensemble. Donc, nous avons un petit problème. Sortez un petit peu et puis ensuite nous allons vous faire voir ça. Parce que moi, je comme vous le savez bien, chers téléspectateurs, lorsque je vous dis quelque chose, je m'assure que j'ai la preuve et que je vous prouve ce que je vous dis. Vous, vous allez juger. Je ne dis pas que vous allez être d'accord. Je ne vous demande pas d'accord. Pas du tout. Ce n'est pas tous qui ont l'amour de la vérité. Mais ceux qui ont l'amour de la vérité, ils peuvent juger et comprendre. Et c'est pour cela que je vous prouve. Quand je vous dis quelque chose, parce que je vous avais parlé de nos gars qui travaillent pour le pasteur à Saint-Martin. Peut-être qu'il peut y avoir un pasteur pour qui cet organe ne travaille pas. Je n'ai pas généralisé le cas. J'ai la preuve. Donc je n'ai pas décidé de vous faire écouter l'enregistrement pour éviter. Mais j'ai la preuve. Parce que c'est la vérité. Je le savais déjà, mais j'ai encore la preuve. Donc, pour voir que les pasteurs qui vous dirigent ne sont pas des pasteurs. Et vous allez voir que ce sont des gens qui sont possédés par des esprits de démons. Donc, je ne sais pas si la vidéo est prête. Donc, apparemment, nous avons un petit problème encore. Nous allons y arriver tout à l'heure. Donc, nous allons continuer. Et puis, on attend à ce que la vidéo soit prête. Et dans quelques minutes. Donc, et la dernière fois, j'étais en train de vous parler sur le fondement des apôtres. Nous avons dit non, sur le fondement, comment fondementer, comment modèle la télé. Donc voilà, voilà, chers téléspectateurs, c'est bon, merci. Et monsieur notre technicien, merci infiniment. Donc voilà, chers téléspectateurs. Vous pouvez constater et voir, regardez bien, c'est Pasteur Amel, celui qui est en blanc. Hein? Et vous voyez ce qu'il est en train de faire. Donc, à vous de juger. À vous de juger, vous allez comprendre que je vous dis la vérité lorsque je vous dis que ce monsieur n'est pas de vrai pasteur. Regardez bien, regardez ce qu'il a fait à ce monsieur-là. Demandez qu'est-ce qu'il a dans la main. Qu'est-ce qu'il a injecté à ce monsieur, qu'il soit ainsi? Est-ce que le Saint-Esprit peut être aussi? Jamais. Mais nous pouvons constater, nous comprenons. Mais déjà, si vous savez que c'est carnavalesque, vous pouvez comprendre. Je fais bien aimer. Regardez bien. Regardez, le pasteur est comme. Il est bourré, si vous voyez bien. Il est comme bourré. Regardez, c'est comme si on était à Champ de Mars ou bien dans le carnaval de Saint-Martin. Les gens qui dansaient, qui sautaient. Donc c'est ce que nous avons là. Regardez bien, hein? Le passé est bourré. Amel, la fleur, est bourré. Il est saoulé. Regardez-lui. Alors, vous pensez que c'est le Saint-Esprit, ça? Jugez par vous-même. C'est quoi ça? Regardez bien, chers téléspectateurs, parce que pour que après vous ne dites pas que Frère Patrick invente des choses. Regardez bien. Regardez bien. Bon, nous avons un petit problème encore. Nous avons un petit problème, je ne sais pas comment ça va arriver parce que si elle est encore encore, je ne l'avais pas encore. Parce que je sais que le dégât va faire la vie en fonction. Et je vais voir ça. Et comment un pasteur, un pasteur, qui dit que les gens disent la vérité,
comment on fonctionne. Alors voilà, merci à tous. Merci à tous. Et cet esprit démoniaque ne fonctionne pas sans la musique. Sans des dons canadalais, sans les amis célestes. Et leur esprit ne peut pas descendre sur eux sans qu'il n'y ait pas de la musique. Et c'est ce qui est en train de se passer là. Il y a tellement de choses qui voient dans la musique. Un camp de concentration qu'on appelle le but. Et je parle du camp de concentration de la même là. C'est un camp de concentration qui là. Donc, il est en train de vivre tout en fait. Et ça n'a rien à voir avec le monde. Regardez bien cette situation. Des gens comme des gens qui sont dans dans ce carnavalesque. Regardez bien. Ils sont essoufflés. Regardez le pasteur, amène la fleur. Là, il est bourré. Mais bien aimé, va me dire nous ça en créole. Est-ce que pas les gens qui ont une loi en Haïti ou comme ça? Regardez bien. Est-ce que c'est pas les gens qui ont une loi comme ça en Haïti? Les gens qui habitent une habitation, s'il vous plaît. Dis-moi, est-ce que c'est pas les gens qui ont une loi en Haïti comme ça? Parce que cet esprit. Je ne peux jamais dire cet esprit parce que je ne peux pas le blasphémer. Cet esprit n'est pas dans l'état, ni pas dans la position, ça n'est pas place ça dans le lieu. Ça. Regardez bien, chers téléspectateurs. C'est quand les gens ont des esprits démoniaques en Haïti, les vaudouisants, c'est quand ils sont ces esprits démoniaques qui sont comme ça. Ils sont bourrés, saoulés. Ils ne peuvent même pas se tenir. Regardez le pasteur, c'est quoi ça? Un pasteur qui dit la vérité, qui dit qu'il y a l'esprit de Dieu. Regardez bien, mes bien-aimés, regardez. On est où là? Regardez, mes bien-aimés, regardez. Hein, il est à terre là maintenant. Le pasteur est renversé. Donc, il a quoi? Donc, si je peux dire, excusez-moi si je le dis, Seigneur, donc c'est le Saint-Esprit qui l'a renversé. Regardez, le pasteur amène la fleur, regardez. Maintenant, il va commencer par rouler. Regardez-moi, comme les gens qui ont des crises quand il y a des enterrements, ou des gens qui ont des guédés ou des esprits démoniaques, les vaudouisants en Haïti. Quand les vaudouisants ont des esprits démoniaques, c'est comme ça, ils sont roulés comme ça. Des esprits de serpents. Regardez le pasteur, il a quoi? C'est quoi son problème? Mais bien-aimé, dites-moi, est-ce que ça, c'est le Saint-Esprit qu'il a ou c'est l'esprit démoniaque de Satan qui est en lui? Oui, vous allez appeler après pour me dire qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que ça, c'est l'évangile? Parce qu'il y avait même un frère, peut-être qu'il est en train de regarder, qui parlait de ce pasteur, Amel Lafleur, ce faux pasteur. Et la façon qu'il parlait, c'est comme s'il disait qu'Amel Lafleur était un vrai pasteur. Eh bien, je vous dis qu'il n'est pas un vrai pasteur. Il n'a pas les... Je ne sais pas s'il ne sera pas un vrai pasteur un jour, parce qu'il est encore vivant. C'est comme s'il avait bu comme dans le langage haïtien, il était bref et clairin. Donc on a le souffle vidé là pour la tête, fait cinéma. Vous comprenez-moi? Il a fait l'évangile honte, fait mon honte. Et puis pour le pasteur, il a pas la chute sous faux pasteur par Elio. Et Grégory Toussaint, un faux pasteur. Miskade, faux pasteur. Marco, faux pasteur. Et tous les faux pasteurs qui composent la Fédération protestante d'Haïti. Parce que c'est une confrérie de faux pasteurs, hein, y compris le faux pasteur célèbre Chavanne Jeune et les autres faux pasteurs qui sont dans les courses électorales en Haïti. Donc regardez bien, chers téléspectateurs. Est-ce qu'il est un vrai pasteur? Est-ce que c'est un vrai pasteur que vous voyez à terre là?
Là, c'est le carnaval. En vérité, si tu as le défi de sous Sean Masla et l'été du carnaval, soit au Kai, il va sortir champion. Il va champion au carnaval au Kai. C'est sûr. Il serait champion, ces gens-là, ce bâtiment, ce camp de concentration-là, s'ils étaient dans le défi de carnavalès de Kai, ou à part pour sa champ de masse, ces gens-là seraient champions. Regardez la dame là. C'est quoi ça? Il est encore à terre, il n'est pas encore, je ne sais pas s'il a reçu un coup par son père qui est Satan. Il n'est pas encore, il ne se relève pas encore, il n'est pas encore à terre. Regardez, il est sous le dos maintenant, c'est franchement c'est terrible. Regardez, moi, c'est terrible. Regardez, hein, le passeur, lui aussi il est bourré. Regardez, il est encore par terre, ce téléspectateur. Il n'est pas encore par terre. Regardez les gens, regardez les fidèles là. Hommes des ignorants, ils n'ont pas été sur le champ de masse, ils n'ont pas été au CAI dans le défi de carnavalesque, mais ils l'ont fait dans ce camp de concentration, dans cette salle d'attente pour enfer, que ce faux pasteur Armel Lafleur dirige. Regarde, ce sont les gens qui le soulèvent maintenant. Maintenant, il se tient debout. Et il n'arrive pas à se tenir vraiment parce qu'il est bourré, il est saoulé. Regardez, et on est en train d'arranger ses vêtements parce que l'esprit démoniaque qui est en lui ne respecte personne. Le Saint-Esprit de Dieu respecte les gens, les serviteurs de Dieu. Parce que lorsque les apôtres, les disciples avaient le Saint-Esprit, et nous aussi, nous ne roulons pas par terre. Parce que nous ne sommes pas possédés par des esprits démoniaques. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de désordre, mais c'est un esprit de paix et de l'ordre. Jusqu'à maintenant, il n'arrive pas à se, je dirais, à se ressaisir. Voilà, il est encore soutenu par deux disciples. Et maintenant, il a pu se ressaisir. Il va prendre le micro. Et voilà, et le carnaval va continuer avec lui. Les fidèles ont ri. Regardez, les fidèles continuent à danser, à sauter, en bon créole, à pomper. Regardez-moi ça. Donc vous voyez, chers téléspectateurs, vous voyez bien. Regardez sa femme là, il a touché sa main. Regardez ce qu'il a fait. C'est comme s'il a un courant électrique dans sa main. Regarde ce qu'il va faire, cette pauvre malheureuse qui est juste à côté. Hein? Regardez bien, chers spectateurs. Regarde. Est-ce que ça, c'est le Saint-Esprit, mes bien-aimés? Regardez-moi ça. Je pourrais dire que c'est le Saint-Esprit. Si la dame était en train de glorifier Dieu, il était en train de parler en langue, peut-être je pourrais dire cela. Même en ce cas-là, je ne dirais pas cela parce que une femme ne doit pas prendre l'autorité dans l'église de Christ. Elle ne doit pas parler. Parce qu'elle doit rester en soumission. Ça n'existe pas. Regardez-moi ça, chers téléspectateurs. Regardez, vous n'avez pas encore vu. Hein, comme sur le champ de masse, regardez. Il élève son mouchoir, regardez. Et tout le peuple, hein, ce peuple innocent, ils vont commencer à aussi, ce peuple va commencer aussi à secouer leur mouchoir. Regardez, on est sur le champ de masse. Je ne sais pas où est-ce qu'ils, si c'est rue des Casernes qu'ils sont. Je ne sais pas où ils sont, mais à part c'est dans la salle de concentration qu'ils sont. Voilà, regardez moi chef, ça, c'est le spectateur. Regardez, mon souhait, tellement pauvre, ils sont chalet. Où est-ce qu'on comme ça? Regardez-moi ça. Maintenant, il a pris ce jeune frère-là. Et ça, il faut que vous prêtiez attention là-dessus. Regardez-moi ça. C'est quoi ça? Est-ce qu'on est dans un cycle? On est où? Boum! Regardez comment il est tombé. Regardez ça. Et il est tombé très fort. Et sa tête, il va même casser sa tête. Parce que vous allez voir du sang. Il y aura du sang partout à terre.
parce qu'il est tombé très fort. Regardez-moi ça, chef. Il est tellement tombé fort, tête lui pété dans ses yeux. Au cas où ça, il est quand même la peau vionde de Yavel, vionde de Piou, il la gueule vide. Et puis, tête lui frappe sous chaise là, t'as l'air de constater un paquet de sang dans la tête. C'est un esclave. Vous allez voir dans sa tête beaucoup de sang, puisque c'est un esclave. Et c'est très triste, mes bien-aimés, très triste. Très triste. Quand ce pasteur vous présente ce gâteau maquillé avec la vérité, mais pourtant c'est un gâteau rempli de mensonges, et toute la farine, c'est que du mensonge, mais décoré avec de la crème fraîche pour, comme la vérité. Ce n'est pas vrai, mes bien-aimés, ce n'est pas un vrai, c'est un faux. Regardez cette petite fille-là. Hein? Quelle différence sur le champ de Mars et dans ce camp de concentration? Il y a quelle différence? Il n'y a pas de différence, mes bien-aimés. Pas de différence. Regardez cette dame. Elle est essoufflée. Elle est en train de danser. Exactement. Regardez-moi ça. Regardez ce jeune homme-là. Hein? La Yaya Cole. Regardez-moi ça. Regardez. Regardez, chers consommateurs. Je vous laisse écouter. C'est ce faux pasteur, Amel Lafleur. Et vous prétendez être un pasteur qui dit la vérité, qui est sur le fondement des apôtres, qui n'est pas un vrai pasteur, qui consacre soi-disant des femmes pasteurs, qui n'est pas biblique. Donc c'est son camp de concentration, parce qu'il demande à ces faux pasteurs qu'il consacre de soumettre à sa dénomination, de soumettre à lui, de lui être fidèle. Or il n'est pas Christ. Comment on doit être fidèle à lui? On doit être fidèle à l'évangile, à Christ, non pas à un homme. Il pense qu'il est Dieu, qu'il est Christ, il demande à ses esclaves-là de lui être soumis. Ce n'est pas possible, ça. Regardez ce frère-là, avec cette chemise rouge. Regardez-le. Oui, de la Cazennes. Ils sont à Oui de Cazennes. Regardez. Voilà l'évangile, mes bien-aimés. Et de toute façon, c'est ça, nous apprenons. Ouais, nous ne allons jamais retourner sur le fondement des apôtres. Nous ne allons jamais appliquer l'évangile qui doit être là. C'est que bon boss, ça, vous n'avez pas nous mais pomper, nous allons danser. Ouais, la danser, pomper. Regardez-moi ça. Regardez. Maintenant, portez votre attention, frères et sœurs, chers téléspectateurs. C'est du sang. Regardez bien, c'est du sang ici. Du sang.